Salutations à toutes et à tous, nous sommes le 19 décembre, bienvenue à l'ouverture de la 19e case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on part du côté du Vietnam, où, à l'instar du Japon, on est plus sur une fête commerciale que religieuse. Ce qui n'empêche pas les rues d'être énormément décorées, par contre, il est plutôt rare d'avoir des sapins et des décorations au sein des foyers. En fait, Noël, ça va être une période très commerciale là-bas, puisque les différentes boutiques et autres vont proposer de nombreuses animations. Donc Noël, c'est surtout l'occasion de sortir dans les rues, de faire la fête et de passer beaucoup de bon temps en famille ou entre amis. Et à noter qu'il existe là-bas un service qui fait fureur, à savoir la location de Père Noël pour qu'il vienne distribuer des cadeaux à vos enfants. Donc déjà ça, c'est quand même assez original de pouvoir louer un Père Noël, mais surtout la grande originalité, forcément, comme il n'y a pas de rennes au Vietnam, il a fallu s'adapter. Donc, exit le renne et les traîneaux. À la place, ces Pères Noël livreurs viennent apporter les cadeaux en mobylette ou en moto. Autant dire qu'au Vietnam, la fête de Noël est très moderne. Et vous, voir débarquer le Père Noël à moto, c'est quelque chose qui vous tente? En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Salut!